Ebele makambu nazutu nanga mama. Matungisi matungi Kanda epai bolingo ezali epai tokokende motema motema omipesa pena vi ebele makambo nazutu nanga mama matungisi matungi na kombo nanga papa wananga na landa te eza se mopepe pamba wananga na landa te eza se mopepe pamba butu mpona moi eliya kasi na lolango mokolo nini nzambe okopesanga mwana na yo shansi nakoluka baninga vi ya se pasi. Voilà, chers abonnés, j'espère que vous avez reconnu la chanson. Aujourd'hui, on vous amène dans le monde de Zaïko. On vous laisse découvrir cet artiste talentueux qui a fait beaucoup de tubes. Alors, vous l'avez déjà vu en couverture, mais je vous laisse quand même le découvrir. Bonne édition. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour agrandir notre communauté. Alors, on se retrouve à la prochaine édition. Merci pour votre écoute. Fidèles auditeurs, de vous joindre à nous dans cette émission, surtout vous qui êtes habitués à nous suivre dans cette émission. Nous avons le profond regret de vous annoncer que notre invité permanent de cette émission, M. Omanga Lokonga Onya JP ou AJP, alias Doyen JP, venait de nous quitter. Voici, en union avec sa famille biologique, nous le pleurons dans cette chanson de Frank Lassa. Peto Colanda Liwa Ezali.
ganda batikinga ina pasi pinzoli etondi na miso wapiti no barosa wili mbembe na bukasa bosele aduelenga masta zamba na mavula bavo marile ki ya lwambo Lamba mujos na yamba yamba Wapi mo pepe wapi mole Degoche ma bele engondoko Mawa e a e mawa e a e Kwa mi wana keye Mawa e mawa mama Mawa maleke linga Mambote Liwa ezali na ngonga na yango Atiki kulutu azuile ki Mama angebi okeye Okeye lokola lisano Otiki kaza kungelebea Na kati kati ya wale Mawae ae Kilinga Mawae mawa Mawa male kilinga Kabasele kale opie Nani lisusu akoyemba Para fifi na kati ya mitema Etikali lokola elembo À présent, fidèles auditeurs, nous allons vous proposer notre entretien que nous avons eu avec celui que nous appelons aujourd'hui défunt Omanga Lokonga Onia, JP ou AJP, alias Doyen JP Omanga. Doyen JP Omanga, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons souhaité et parler d'un des grands, des Aïko Langalanga, à la personne de Bimi Ombalé Mwanawabi. Dans JP Omanga, nous aurions souhaité que vous puissiez d'abord nous parler de ses débuts dans la musique. Comment a-t-il embrassé cette carrière musicale dès le début? Bimi André, comme vous venez de le dire, est un natif de Kinshasa, plus précisément de Matongé. Par ses parents qui sont quinois aussi, sa maman et son père sont nés à Kinshasa, donc il est quinois au niveau de deux générations. Il a passé sa jeunesse en Rankin, comme tout jeune, mais il avait le talent. Rankin aujourd'hui, Matongé. Ok, sur l'avenue Bouburu numéro 2, exactement. Il est quatrième d'une famille nombreuse, et surtout que sa petite sœur, celle qui suit après lui, est l'amie intime à ma femme. Enfin, elle fut amie intime de ma femme, Alice Bimi, qui n'est plus de ce monde. Elle est morte juste quand il y a eu pillage. Hein. Comme elle était hyper tendue, avec tous ces coups de balle-là, l'ont carrément déclassée, elle a piqué une crise, elle est morte. Alice Bimi, d'heureuse mémoire, je m'incline aussi. Bon, Bimi, comme vous venez de dire, il n'a pas eu une bonne scolarité. C'était une scolarité chaotique en Zili. Il n'a pas fait au-delà de CO, puisqu'il avait le talent. Il a commencé comme tout le monde dans les petits orchestres, Zézé, je crois. Puis finalement, étant de Matongé, de Rankin à l'époque, Zaïko venait de voir le jour. Bon, il a tenté sa chance dans Zaïko, du moins dans la troisième vague des musiciens, puisque la première vague, il y a Shungu Mbadio, Manuaku et pas cooptation. Ensuite, viendront les Evoloko et consorts. Lui viendra en troisième position, mais comme drummer. On l'a pris comme drummer, tout en étant bon compositeur, chanteur aussi très bien. Mais ça ne marchait pas pour lui, il avait de l'ambition de passer au micro. Alors il a quitté un peu Zaïko pour aller chez Tabou National, à Lingala. Là, il a quitté pendant qu'il était encore drummer, oui. Ayant des ambitions de chanter, mais peut-être on ne l'aurait pas accepté comme chanteur. Exactement, alors il a préféré prendre la peau d'escampette pour aller à Lingala, donc à l'époque Saint-Jean. Il y avait un orchestre de jeunes là-bas qui faisait succès avec un chanteur leader qui s'appelait Espérant, qui s'engagne Espérant. Mm-hmm. Alors il est allé chanter avec lui. Les échos sont rentrés, comme les gens qui font la publicité disent, Phil Beck, sont vite rentrés à ranquer pour dire que le drummer là, il est parti faire du succès à Tabou National. Il compose très bien. Alors Dévé Mwanda s'est souvenu de son début, il me dit non, il faut le récupérer. Mm-hmm. On l'a récupéré pour maintenant passer au micro, plus comme drummer. Mm-hmm. C'est comme ça que pour la première fois, il va composer la chanson Joliba. Mm-hmm. Joliba Ngana Linda, c'est une femme qui a eu un enfant avec lui, elle est morte aussi, José Lina, que je connais, sur avenue Kanda Kanda, vers Éthiopie, voilà exactement. Mm-hmm. Elle est morte aussi. Nandi magite na kozwa lolenge ya bolingo okoti nzoto Nalangwisala koleka molema Nakokate solo na ninga mosusu koleka yo Bozanga moke zela nyoso na komema makolo mangai Elini na yo ekoleka ngai na miso Ekomba lokola bolingo mama na mwana na ye hey, Joliba Nawayona kabizoto ho Nakokate solo na ninga mosusu koleka yo Ozanga moke zela nyoso na komema makolo mangai Enini na yo ekoleka ngai na miso Ekoma lokola bolinga mama na mwana na ye Joliba Nawayona kabizoto ho Nakokate solo na ninga mosusu koleka yo Ozanga moke zela nyoso na komema makolo mangai Elili na yo ekoleka ngai na miso Ekomba lokola bolingo mama na mwana na ye Joliba Nawayona kabizoto ho Ayaya Joliba ngana linga ya lelo ngana
remé na ebisi olelo joli banate kizoto mama bolingo na reduta ki bolingo na nimi sekolelo bolingo la verite joli baraye joselina Potata kovota toti akati amokini souvenir à moana na kongo bimi moke joli bangana linga yale longa na geme na ibisi olelo joli banate kizoto amanga composé des chansons Manawabi, elle a composé plusieurs chansons à succès. Après Manawabi, il y a eu Banyango, il y a eu tout un tas de chansons là qui ont bougé Kinshasa. Mm-hmm. Mais il n'était pas trop régulier au micro puisque Evoloko trouvait que sa voix là, ce ténor, était apparentée aux gens de Maindombe. Hein, ténor et Mboka. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que, à part Max Mongali, à part Max Mongali et peut-être Niboma aussi, quand il chante, il n'y a pas d'accent. L'arrière-goût là, des Konda, tout ça, ça n'existe pas. Mais les autres là, Bokelo, Dewayon, Wende Kalasai, Bimi lui-même, Kanda Bongoman, tous ces gens-là de Maindombe, quand ils chantent, vous avez l'arrière-goût de leur dialecte. Mm-hmm. Quand Fally chante, vous avez quelque chose qui reste et qui l'identifie à Maindombe. Mm-hmm. C'est comme Bimi aussi. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il n'était pas régulier au micro, il chantait pour ses chansons. Mais rarement, les autres l'invitaient pour des chansons. Par exemple, il ne pouvait pas accepter de chanter avec lui. Il trouvait qu'il y a un ténor et un boc. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Il va avoir la chance de réussir sa carrière avec le départ de. Le groupe Sefi, nous l'avions parlé la fois passée. Et Voloko, Shungwe Mbadio, Mavela Somo, Bozi, ils sont partis à l'Yolo pour faire l'œil Sefi. Alors, à ce moment-là, il a eu l'occasion de se positionner à côté de Jossar. Il a commencé à se faire parler de lui très bien, correctement. Et surtout qu'à l'ombre, il avait un homme qui lui donnait des chansons aussi. Il est un bon compositeur. Mais okay. Nous allons revenir à ça, Doyen JP. Je m'excuse de vous interrompre. C'est pour dire que Jossar, après le départ des Voloko, de Papa Wemba pour Isifi Lokolé, Jossar l'a accepté en tant que chanteur par manque de chanteurs ou bien parce qu'il a trouvé qu'il valait quand même son pesant d'or. Non seulement il valait quelque chose, mais Zaïko était en perdition. Mm-hmm. Les gens qui sont partis là-bas, c'était des vrais meneurs de jeu, des vrais meneurs d'action. Donc, Jossa n'avait que l'obligation de coopter Bimi comme titulaire quelque part au niveau de l'attaque champ. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Mm-hmm.
Malgré que Bimi, sur le plan sociabilité, il était nulle part. Hein. C'était, c'est pas un garçon très sociable. Hein. C'est-à-dire, conflictuel ou quoi? Pas conflictuel, mais trop. Ne s'est pas entretenu des relations. Non, il est comme Kessé Diambo. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les autres ici. Ils se prennent un peu comme l'attraction de la. Donc, il est un peu. Je veux dire, vantard, voilà. Le mot est trop dur. Incomplexé. Vantard. Il n'était pas sociable jusqu'à la fin même. Avec ses frères, il y avait des problèmes. Alors, accepté par Jossard Nyokalongo, et maintenant, il commençait à chanter devant les micros, et les gens l'ont découvert non plus comme drummer, mais comme un chanteur qui pouvait sauver Zaïko Langa Langa à l'époque. Comme drummer, c'était fini quand il est rentré de Tabou National. Tabou National. Mm-hmm. Il a bombardé avec Joliba qui a fait le succès. Lui-même, il a chanté aussi. Il a bombardé avec Manawabi. Il a chanté. Donc, déjà à l'époque, du début de Zaïko, il régnait déjà comme bon compositeur. Mm-hmm. Mais il chantait ses propres chansons. Attention, il n'était pas associé. Non, il se met ses propres chansons avec soit Wemba, soit Nyokalongo. Mais rarement avec Ivoloko ou avec Zijina. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il a progressé avec des chansons. Si, il avait son pied noir qui s'appelait Max Mongali, qui est aussi de Maïndombe, qui lui refait des chansons. Mm-hmm. Beaucoup de chansons. Et plusieurs chansons sont signées Bimi Ombalé, mais en réalité, ce sont les chansons de Max Mongali. Mm-hmm. Et la fuite est venue de Fongejina, qui avait dénoncé un jour dans un journal que non. Il y a des chansons là que vous croyez être des chansons de Bimi, mais en réalité, ce sont des chansons de Max Mongali. Mm-hmm. Mais Bimi est un grand compositeur aussi, mais il a eu le soutien, comme vous voyez, Chico Mawato avec Madilou. Exactement, comme ça. Mm-hmm. Et il a continué comme ça jusque les années 80, vers la fin, il y aura scission. Il a pensé que lui aussi, il était temps de devenir meneur de jeu. Ils se sont séparés avec les Nyokalongo et les Matima pour faire Familia Day, là où il sera totalement tête d'affiche. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et ça a fonctionné, ils ont eu des chansons à succès. Malheureusement, l'oseille divisant toujours, ils se sont embrouillés à partir du Canada pour finalement se disloquer. Et il montera maintenant sur son orchestre à lui, Basilic Doningisa, qui ne fera pas long feu. Et finalement, il va opter pour la musique religieuse en allant tout droit chez Maman Oulangi, où il va se remarier et avoir aussi un enfant pour finir sa vie dans ces conditions-là, voilà. Mm-hmm. Dans la musique chrétienne. Voilà. Mm-hmm. Dans JP au manga, vous venez de nous dire que c'est Dave Mwanda qui a tout fait pour que Bimi Ombalé réintègre Zaïko Langa Langa. Oui, oui. Donc c'est pour dire que Dave Mwanda n'est juré que sur Zaïko, les rôles importants qu'il a joué dans Zaïko. Qui c'est Dave bien Bimi. Dave, c'est le propriétaire moral de Zaïko. Le propriétaire moral de Zaïko. Il n'avait pas d'équipement comme pour le Zaïko, mais c'était son affaire à lui. Les gens qui ont signé avec lui le contrat de la fondation Zaïko ont disparu. Ali Mongoembe, il aura quitté Kinshasa pour l'Europe. Et Marcelin, je crois qu'il avait désisté. Il est resté seul propriétaire à bord. Alors il s'est entouré de gens à lui, comme Olemi comme l'autre là, Mozingo, et pourquoi pas Tagar aussi. Moi, je peux dire que c'est grâce à lui qu'on a reconnu et qu'on connaît Bimi Ombalé comme grand artiste et musicien, comme grand compositeur. Et chanteur aussi. Mm-hmm. Je ne dis pas grand chanteur, mais chanteur aussi. Mm-hmm. Grâce à Dave Mwanda, puisqu'il était déjà de l'autre côté, à Saint-Jean. Bon, Dave l'a récupéré pour maintenant faire partie de l'attaque chant des Zaïko. Mm-hmm. Alors, pour ses propres chansons seulement. Mais comme il composait très bien, il était aussi ravitaillé par Max Mongali, qui est un grand compositeur. Mm-hmm. Il avait des chansons qui faisaient du succès jusqu'à ce que il fasse leur histoire là de Zaïko Familia Day. Il avait toujours du succès. Chaque chanson de Bimi faisait toujours. Alors de ce côté-là, il n'a pas perdu, il a plutôt gagné. Alors, dans JP au manga, vous venez de nous dire que Bimi Ombalé avait des relations conflictuelles, il n'était pas sociable avec. Ça, c'est au niveau de l'orchestre
ou au niveau même de la société, là où il vivait, auprès de ses amis, parce qu'il devait avoir des amis aussi qui sont non-artistes et musiciens. Vous avez posé une très bonne question. Au niveau, je vous réponds clairement, au niveau de la société, puisque sa petite sœur Alice était la copine de mon épouse, maman Marie, comme vous l'appelez. Vous avez posé une très bonne question. Au niveau, je vous réponds clairement, au niveau de la société, puisque sa petite sœur Alice était la copine de mon épouse, maman Marie, comme vous l'appelez. Alors, j'ai eu des bruits d'informations. C'était pas un homme sociable. Mm-hmm. Même quand les amis de Zaïko allaient avec leurs copines dans les conseils de Zaïko, ils ne manquaient pas d'une façon indirecte de les tacler. C'est un garçon, il est beau garçon, bien sûr, il est beau garçon, mais du côté sociabilité, c'est vraiment nul. Mm-hmm. Il est vraiment conflictuel. Mm-hmm. Alors, dans HB et au manga, conflictuel, mais malgré cela, c'est la raison pour laquelle on peut dire que Nyoka Longo a pu quand même le gérer pendant longtemps, et aux côtés de Nyoka Longo, en tout cas, on ne sentait pas qu'il était conflictuel. Avec Nyoka Longo, ça marchait, puisqu'ils avaient les mêmes tares. Ils avaient les mêmes tares, entre guillemets, pour les amis, les aïkos qui venaient avec leurs copines. Donc Nyoka Longo se comportait comme Bimi aussi. En clair, ce que vous dire que ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez compris. Donc ils étaient dans ce jeu-là, les deux. Mm-hmm. Ils n'étaient pas très corrects avec les fanatiques des aïkos qui venaient. Une fois même, un député l'a dit, je peux le citer, Jean-Claude Voimba l'a dit, député, c'était un petit aussi de quartier artisanal. Mm-hmm. Il a dit que nous avions des problèmes avec Bimi, chaque fois on amenait des copines, il mettait la main dessus. Mm-hmm. Quand on met la main dessus, on y va par le dénigrement. Mm-hmm. Vous m'avez compris, c'est comme ça. C'est mm-hmm. Nyoka Longo aussi a les mêmes tares au pluriel. Nyoka Longo a les mêmes tares. Mm-hmm. Ok. Et pourtant, dans certaines de leurs chansons, ils s'affichaient comme des conseillers, voire en disant « Salakeba Nabasiabatu » dans leurs chansons « Cri d'animation ». Qui a composé « Salakeba Nabasiabatu » Je suis curieux de connaître le compositeur de cette chanson-là. Si c'est Bimi, c'est une surprise pour moi. Si c'est Nyoka Longo, c'est une surprise aussi pour moi. Je n'ai jamais entendu Nyoka Longo conseiller les gens d'éviter les femmes d'autrui. Parce que lui, il était aussi champion en cette matière, comme son ami André. Je me souviens de on dit « Oh, Malembe, Salakeba Nabasiabatu, Matima Oyokakate, Salakeba Nabasiabatu » C'est qui est le compositeur? Moi, je ne connais pas le compositeur, il faut connaître le compositeur de cette chanson. Mais c'était accepté comme cri de guerre dans Zaïko. C'est comme si, quand on danse, on écoute la chanson quelque part, on ne voit pas le compositeur, mais on voit l'orchestre. C'est-à-dire, avant qu'on passe à l'enregistrement, le cri est accepté. Le cri est accepté, c'est comme une façon d'animer le concert. Hein. Mm-hmm. Mais en profondeur, ces deux-là avaient les mêmes tares. À l'attaque chant, ils avaient les mêmes tares. Mm-hmm. Faut que, quand vous amenez une jolie fille au concert des Zaïko, il faut faire attention avec les deux-là. Mm-hmm. Vous n'êtes pas fort, bon, on me l'arrache. Hein, mais j'ai déjà entendu Bimi dire à quelqu'un que je connais, « Ah, il dit à sa femme, « Mon bel nom, vilain, j'ai déjà entendu dire à Matongé ça, à Bobo, sur Bobo numéro 2. » Nous étions chez une femme métisse, là, Madame Zinga, qui était leur voisine. Bimi était à côté là-bas, il critiquait. Il est comme ça. C'est comme ça qu'il ne s'est pas marié officiellement jusqu'à la fin. Il se mariera après, chez Maman Oulingue. Et il avait un enfant. Il vivait pratiquement en l'air. Hein. Mm-hmm. Je n'ai jamais entendu Bimi se marier. Sauf chez Maman Oulingue, il s'est marié quand il était déjà atteint du mal du siècle, puisqu'il est mort de la maladie du siècle. Ça, vous le savez. Ce n'est pas un secret. Là, je peux au manga, on revient au début, parce que vous avez dit Bimi Ombalé, c'est un quinoa. Ses parents, voire ses grands-parents, ce sont des Quinois. Sa mère, sont des Quinois. Natifs de Kinshasa. C'est comme qui s'appelle mon ami Lobé à Milan, que vous avez vu l'autre jour sur Castro 85. C'est leur parcelle. Okay. Papa est né à Kinshasa, d'un papa Mokwanga, cousin à papa de Calais Jeff, puisque Milan appelle Calais cousin. Maman est née ici à Kinshasa, la maman de son père, elle est Bouza, donc des parents Quinois, comme Bimi. Mm-hmm. Bimi, ses parents sont des Quinois. Mm-hmm. Malgré son accent de Maïndombe, mais il est Quinois d'origine. Mm-hmm. Son cousin direct, c'est l'actuel bourgmestre que j'ai salué aussi, l'actuel bourgmestre de Kisenso, chez notre ami Lenoir, mm-hmm. Bile Bompolé Waetumba, André. Mm-hmm. Hein? Jacques Bile Bompolé Waetumba, André aussi. Mm-hmm. Alors, s'il me suit, le bourgmestre, je le salue. Que mon ganga aussi passe le voir de temps en temps, son collègue du quartier. Okay. Alors, lui, il est cousin de Bimi. Mm-hmm. Ils sont tous de Sengélé. Voilà. Mm-hmm. C'est vraiment important. Ce sont des petites tares dans la société, oui. Mais qui peuvent faire tache d'huile. Mm-hmm. C'est pour dire que normalement, quand on a des telles tares, il faudra s'en débarrasser. Et
c'est comme ce que vous dites là, ayant constaté qu'il y avait des tares qui taquinaient les copines des autres, alors c'est un conseil qui s'adressait à tout le monde. Salakeba Nabasi Abatu. Donc tous nous devons faire attention avec ça, c'est, il s'adressait à même faire attention à la fois. Ceux qui ont dit qu'ils me sonnaient à bateau, là-bas, ça c'est de l'hypocrisie. Ils étaient eux-mêmes dans cette terre-là. Ceux qui ont dit qu'ils me sonnaient à bateau, là-bas, c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre. Et ils se moquent des autres. C'est comme ça. Alors, Doyen JP Omanga, vous personnellement, vous êtes un analyste culturel et vous vous attardez plus sur la musique. En dehors, chaque médaille a son revers, dit-on. Bon, en dehors de cet état, comment peut-on afficher Bimi? En dehors d'auteur compositeur, qu'est-ce que vous appréciez en lui? Je mentirais si je dis que c'était mon idéal, hein, mon idole. Non, je n'ai jamais apprécié Bimi. Bien que j'ai des liens par sa petite sœur Alice Bimi, amie à mon épouse, mais généralement, Gérard, je n'aime pas les gens hautains. Je n'aime pas les gens trop hautains. Ce n'est pas mon genre. J'aime les gens bien posés, civilisés, sociables. Mais vous avez apprécié quand même la plupart de ses compositions. Oui, j'ai apprécié Limangando. J'ai apprécié, bien que c'est une chanson de Max Mongali, j'ai apprécié Nibé. Il compose bien. Il composait bien puisqu'il n'est plus de ce monde.
Alors, vous dites que, bon, il s'est marié tardivement. Là, il a donc, celui à la maison, il n'avait pas de femme, ou bien il avait. La parcelle familiale, il avait Joselina, qui est morte aussi. Hein. Joselina, Joselina, elle est mon grand, c'est la petite sœur d'un garçon qu'on chante beaucoup dans Saïko, Papi Baminga. Mm-hmm. Parce qu'elle s'appelait aussi Joselina Baminga. Mm-hmm. Alors, comme c'était des filles qui suivaient Saïko. Alors, lui, il a eu un enfant avec lui. Cet enfant est mort, on dit, je ne sais pas. Mais mm-hmm. À la maison, sur le Bouboulou, il n'avait pas une femme à la maison. Il vivait avec tous ses frères et consorts. Il l'aurait construit, je ne pense pas. Mm-hmm. Il aurait acheté le parcelle, je ne sais pas, je ne pense pas. Mm-hmm. Je connais une maison. Ah oui. Oui, oui, je connais une maison à Mongafula, dans le quartier qu'on appelle Présidence. Mm-hmm. Il a sur avenue Anuarité. Mm-hmm. Hein, c'est lui-même qui partait construire là-bas. Mais il n'y a pas habité. Au moment où il allait venir partir habiter là-bas, il est tombé malade, et il est parti de la maison et là, oui, achevé. Félicitations. Ça, je ne savais pas. Je l'en félicite puisque il y en a qui sont morts sans maison. Enfin, là, c'est une surprise pour moi. Alors, vous dites qu'il a passé la plupart de ses temps, grand artiste musicien comme lui, il vivait chez ses parents. La quinoiserie, hein. Vous savez, Gérard, pour que j'habite là-bas de l'autre côté à Don Bosco, j'ai été objet de railleries dans ma commune. Ah, j'y pas comme Tamboka. Ok, au fond de la Tamboka. Les Quinois est comme ça. Non, je ne vais pas habiter là-bas, là, c'est la forêt. Là-bas, c'est les Quinois aiment là, il y a promiscuité où ils peuvent facilement se mouvoir sans faire un effort. C'est-à-dire quoi? Vivre aux dépens des autres. Alors chez nous là-bas, ce sont des gens qui ne nous connaissent pas. Vous devez vous débrouiller pour vivre à votre manière. Par contre, si vous êtes dans la commune de Kinshasa, avec les gens avec qui vous avez grandi, vous ne pouvez pas manquer une bière. C'est un aspect aussi. Alors, la quinoiserie, c'est ça. Rester dans la proximité, là où on a grandi avec les amis, tout ça. Évoluer comme ça, quitte à perdre son temps, ça n'a pas d'importance. Malgré les succès qu'il avait à l'époque. Oui, malgré les succès, mais il habitait toujours à Boubourg, numéro 2, avec ses frères. Il est quatrième d'une famille nombreuse, avec sa maman. Et son... Donc, André était là avec Manama Tongue. Temps à autre, il s'est moqué des gens, comme le Mopéreux et consorts. Il habitait Mombele. Oh, mais ça ne se sentait pas Kinshasa pour Bim, hein. Mombele, mais il disait toujours à Mopéreux, non, ça, c'est pas possible. Ce sont des choses que je ne dois pas dire au micro, mais c'était un homme hautain. C'était un homme hautain. Voilà. Et pourtant, Mopéreux, si on voit bien, c'est de la même contrée avec lui, non? Maïno, Boutéke. Il est de Kinshasa. Léopoldville, vraiment. Il est Mufurunga. Les gens de la brasserie, Balima, Bangouane, Kwami, Mopéreux, Docteur Soumou, ils sont nombreux. Les gens originaires, les autochtones originaires de la ville de Kinshasa. D'où Mopéreux. Les Bateke de l'autre côté, c'est autre chose. Mais les Bateke de Bafurunga, qui sont originaires de Kinshasa, c'est connu aussi. Donc, je peux au manga, revenons. Lui, c'était Kinois. Je pense que, nous parlons de Bimi, un Kinois, mais qui a eu un faible pour les études. Et c'est de sa faute ou bien il n'était pas soutenu par les parents? Non, non, c'était sa faiblesse. Donc, il se sentait capable d'aller plus loin. Il y a des gens qui font leur autocritique. Hein. Pourquoi je dois continuer à se faire en Angélie? En bon, il fait de la musique. C'est aussi honnête. Hein. Au lieu de perdre son temps à faire abisser dans des classes, non, allez viens, allez, à côté de la musique, et ça a marché. Mm-hmm. Et comme vous dites, il y a une maison à Mangafula, c'est déjà un succès. C'est très bien. Moi, ça, je ne le savais pas. Maintenant, je suis au courant de ça. Donc, il a fait un choix vraiment judicieux. Il va continuer avec les études. Ça ne pouvait pas marcher, c'est comme les volocois vivent, non. Je vais continuer avec ça, ce n'est pas ma tasse de café, je vais de l'autre côté, et ça a marché. C'est comme je vais dire, les études, c'est pour compléter la vie. On est apte à faire les études, vous les faites, on n'est pas apte, on fait autre chose. Mm-hmm. Il faut faire autre chose. Alors, Don J.P. Omanga, il est quand même à féliciter. Oui. Parce qu'après avoir découvert à temps ses talents, il ne peut pas poursuivre les études, il doit se lancer dans la musique. Ça, mais de ce côté-là, il est quand même à féliciter. Alors, il est à féliciter parce qu'il a fait un choix judicieux. Mm-hmm. Pourquoi pas courageux? Parce qu'il y en a qui veulent à tout prix faire des études, même si ça ne va pas. Non, il faut attendre un avocat. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. En tout cas, ça va comme ce qu'il a fait, après les études en Zil, il a commencé à chercher les aisés, puis il est allé dans Zaïko. Bon, après, un peu tabou national pour rentrer dans Zaïko. Il a fait du succès jusqu'à ce jour. Bon, Bimi a laissé un nom. Le passi a moto et bibi na zembo Nana ke la mi pola nini yeye Na leli na se a noto Na leli solo bapangi di bagereko Na konza ki bia na tambora ni sanga na baniga Zambe na zui ba ide Na se ki ba susi Na koki ba la vite pola we la nini yeye Okile pataka na masumu na yamo Bato bato na pepo boto bazali Ea gaile kito popo manapela Ima o nazali na ple
poésie. Na dibili bako, na kopangali wate ponate kansoto. Mokolo kana poku fabolilate, na landise bapangi bakete. Mokile bandakina na nigima, bapasi angondea na nigima. Oh, 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 kima.
juste une petite question, Doyen JP, parce qu'on a fait une émission avec sur Nyo Kalongo et sur d'autres artistes et musiciens. Alors, quand vous dites que Bimio Mbale et Jossard Nyo Kalongo, bon, à un certain moment, ils mettaient toutes leurs angles ensemble, c'est-à-dire qu'ils s'entendaient, ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient. La renfoie, oui. Oui, bon. C'est un truc. Ils s'entendaient bien. Mm-hmm. Alors vous, quand vous voyez des arrière-boutiques des Aiko Langa Langa, vous dites avec même Deve Mwanda, avec les autres artistes et musiciens, pour avoir du succès, ils devaient recourir à d'autres choses. Pensez-vous que Ebim aussi pouvait faire recours à ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comme je connaissais ses parents, non, je ne pense pas. Je connaissais sa famille très bien, non, je ne pense pas. Lui, il a fait la musique comme art. Et quand ça ne marchait pas, il avait des pieds noirs, c'est-à-dire des soutenants, hein, entre autres, Max Mongali. Il a suffisamment ravitaillé en chansons, des belles chansons encore. Imangando, Mwanawabi, il a composé pas mal de chansons qu'il remettait à Bimi. Étant tous du même coin, Maïndombe, ça fonctionnait comme ça. Ça, c'est Max Mongali voulait tout simplement le soutenir par sympathie. Par les balles aussi, puisqu'ils sont tous de Maïndombe. Banounou, Bobangi, Tsengele, Tomba. Singele, Tomba et consort, c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme les Mbalais, les Songo, c'est comme les Yanzi avec les Ndinga, c'est comme les Yanzi avec les Bateke. Non, il y a toujours compénétration quelque part. Comme nous, les Tetel avec les Koussou. Alors, dans JP Omanga, Mwanawabi, parce qu'on peut avoir une idée. C'était l'authentique. Mwanawabi, c'est ça, vient de son père. Lui, il est Mwanawabi, c'est ça. Son nom, c'est Bimi André. Toute la famille s'appelle Bimi Wabi, ça doit être son grand-père. Comme son père est Kinoa, donc ça doit être le nom de son grand-père. Je pense, c'est comme ça. Dans le cas de. C'est sorti pendant que Mobutu avait lancé sa politique de recours aux électricités. Hein. Mm-hmm. Lui, il a fait carrément une tache d'huile. Il a pris Mwanawabi, exactement. Bimi Mbale, Mwanawabi.
Oui, je peux, au mandat, nous approchons vers la fin de notre entretien avec vous sur Bimi et Ombalé. Mais nous pouvons retenir quand même que Bimi, dans Zaïko, avec les Zaïko, ont beaucoup contribué au succès de notre musique aujourd'hui, jusque notre musique a été inscrite comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Ils sont quand même à féliciter, oui, y compris oui. Bimi et Ombalé. Ok, affirmatif là, vous avez raison, il a contribué énormément à l'émergence de notre musique. Comme je vous dis, Zaïre et Bakoko, Zaïko ne peut pas être en reste. Zaïko a fait beaucoup pour notre musique, congolaise d'abord, ensuite zaïroise et tout ça. Bimi a incorporé dans cette catégorie des gens qui ont le faisant de notre musique au niveau international. Je le confirme. Aujourd'hui, nous avons parlé de Bimi Ombalé. Puis les auditeurs, lentement et sûrement, nous approchons vers la fin de votre émission d'aujourd'hui. Vous avez suivi Doyen JP au manga. C'est avec beaucoup de regrets, beaucoup de larmes que nous vous avons présenté. Nous allons remercier très sincèrement sa collaboration avec nous, qui a été de façon permanente et qui a été d'une très grande importance dans toutes nos émissions. Que son âme repose en paix. Nous osons croire que nous allons continuer à garder des très bons souvenirs de la façon dont nous vivions avec lui. Ses émissions faisaient plaisir à nos auditeurs. Mawa, mawa, mawa malekelinga.
abeti minene ya lindanda batiki ngai na mpasi pinzoli etondi na miso wapi tino baroza wili mbembe na bukasa bosele aduelenga masta zamba na mavula bavon marie leki ya lwambo mulamba mujos na yamba yamba wapi mopepe wapi mbole degoshe mabele engondoko mawa eae mawa eae kwa miwana keie Na ngonga na yango atiki bulutu azuileki mama angebi okei okei lokola lisano otiki kaza kungelebe ya na kati kati ya bwale mawa eae mawa e mawa malekilinga Basele kale okeye Nani lisusu akoyemba Parafifi na kati ya mitema Etikali lokola elembo Mawa, 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 mawa